bienvenue dans ma chaîne. Hi, marhaba, kif kon. Inch'Allah, que je te m'aime. Ansoma, au danser, au bismillah. Voilà, aujourd'hui, mes chers amis, nous allons faire une jardinière au poulet. Donc, comme vous voyez là, ma poêle a bien coupé. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile. Et j'ai mis un oignon. يعني ملعقتين زيت وحبة بصل مقصتها قص صغير et de ce côté là je vais mettre mon poulet j'ai mis juste un peu d'huile pour ne pas pour le bien de la santé on met pas beaucoup d'huile je vais juste un peu les dorer pour plus tard pour notre jardinière pas les faire cuire ها ما حطيت حطيت بس شوي زيت وهم بعملهم بس يعني هيك شوي ما حكتر الزيت انه ما بدي اقليهم لحتى ما نكتر الزيت بلاشي اشانجي مون فلو دونك pour cette quantité de jardinière j'ai pris 4 cuisses là 4 cuisses de poulet donc une fois que mon oignon et mon ail a pris j'ai pris 3 belles tomates épluchées bien sûr, coupées en carré, un peu gros. Et j'ai pris la moitié d'une cuillère à café de tomates. C'est juste pour la couleur. Et quand j'ai découpé mes tomates, moi j'ai pas découpé mes tomates sur une planche. Je les prends dans la main, je les coupe pour garder leur eau. Vous voyez leur jus. Et c'est le jus là que j'ai besoin. Donc, ثلاثة بندورة وحطيت عليهم يعني شوية بندورة معصورة إلا يعني تعطيني هذه الكولور بس إنه للذوق بس بهار أبيض بوافغ بلون كزبرة يابسي كوريوند سيش بيمون سيل إي أن بو دو كيمون وكمونة حار ملح Elle est un peu sèche. Je vais ajouter juste un peu d'eau. L'équivalent de 3 cuillères. Voilà. Là, j'ai d'aller à batata, ma carotte, pomme de terre, carotte, bien mixée. On commence toujours par les légumes les plus durs à cuire, les plus longs à cuire. Quand on fait quand on cuisine toujours les plus longs au plus rapide donc moi je préférais mettre mes pommes de terre et mes carottes je vais ajouter mon poulet vous voyez je les ai juste grillé, bien grillé, c'est tout. Vous me donnez une belle couleur et une belle forme. Donc, je les mets là et je vais ajouter encore un peu d'eau. J'ai couvert mes pommes de terre et mes carottes d'eau. Donc, je fais ça pour bien installer pour que les épices ils touchent le poulet aussi et je les couvre jusqu'à une demi cuisson un des basilia petit pois moi j'ai pris les frais qu'est ce que j'ai fait je les ai mis à la vapeur salé un peu à la vapeur ça m'a donné une demi cuisson Les petits pois, moi j'ai pris 250 grammes. J'ai pris 250 grammes de basilic. Je ne touche plus. J'ai tout remis, j'ai mis tout le monde à sa place pour ne pas la casser, pour ne pas la déranger. Tout le monde est à sa place. Qu'est-ce que je fais? Je mets mes haricots verts. Je mets l'eau qui est à prendre. نحب اللوبيا نحن كتير كمان لوبيا خضراء بنحطها هيك يعني هي بتنطبخ
Amala, parce que l'haricot vert, il cuit très vite. Donc, on n'a pas besoin qu'il soit mélangé partout. Donc, on le met juste comme ça et il va cuire à la vapeur et il va nous donner un autre goût. Et si vous voulez, vous pouvez le mélanger, mais mettez-le toujours à presque la fin parce que si les haricots, ils cuisent très vite et donc si ça cuit trop, alors vous allez les perdre et puis ça ne fait pas joli, joli, joli du tout. Là, les amis, je vais vous expliquer juste un petit truc. Parce que vous allez le voir et vous allez le remarquer. La marmite, ce n'est pas un tagine. C'est une marmite normale. Mais j'ai perdu son couvert. Et j'ai perdu l'assiette de mon tagine que j'ai cassée. Ça s'est brisé sur le feu. Ça s'est cassé. Donc, j'étais obligée de la jeter. Mais j'ai gardé le chapeau. Et quand le hasard fait bien les choses, il s'est marié à la perfection. Donc, ma marmite qui n'est pas un tagine et le tagine que j'ai perdu son assiette, donc je l'utilise et puis elle me ferme à la perfection et c'est devenu depuis sans couvercle. Juste l'histoire de ma marmite en passant. Yannick, parce que faut pas que quand je mets le chapeau, je dis, ben c'est pas un tagine, oui, c'est pas un tagine. C'est juste que j'adore ce tagine et la marmite, elle m'est très chère, c'est de ma maman. Et comme je ne vais pas jeter ni l'un ni l'autre, elle est hop. Voilà. Donc, sur ce, les amis, on est arrivé à la fin de notre recette. J'espère que vous avez aimé et que vous allez l'adopter pour le bien de votre famille. Si j'ai oublié quelque chose et dont je n'ai pas fait attention, vous pouvez toujours m'écrire, je vous réponds avec un grand plaisir. Et pour le tagine qui cuit très bien, notre tagine aux légumes, notre jardinière, يعني نتركها على النار كتير 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 خفيفة يعني بجلسها هون على النار كتير خفيفة دونك ان شاء الله بتكون عجبتكم بتعملوها وان شاء الله يعني ما تنبسطوا فيها انتو وعائلتكم وشو بدي اقول لكم الطنجره منها طاجين الطنجره نكسر لي اغطاء تبعولها والطاجين تبعولي انكسر تكسرت إما شو بعمل ما بدي زيت هون يعني حطيت واحدة على واحدة وصاروا عندي تاجين جديد يعني ها هي القصة التاجين تبعونا sur ce mes amis je vous dis merci et à très bientôt السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته